Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite et fin aujourd'hui de la campagne BIS avec Claire dans Resident Evil 2. Nous sommes arrivés donc dans les laboratoires d'Umbrella, direction la cafétéria. Et oui, je vous rappelle qu'on connaît un petit peu cette zone, on l'a parcouru dans la première campagne avec Léon. Et donc logiquement, après cette campagne BIS, on devrait avoir des modes de jeu supplémentaires qu'on fera ensemble, bien sûr en vidéo, dès la semaine prochaine. Attention, on arrive à la cafette. Autre chose aussi que je voulais vous dire, je voulais vraiment vous remercier, bon déjà pour tout votre soutien sur la série, vous êtes géniaux, merci pour tous vos pouces bleus. Et vos commentaires surtout, parce que c'est vrai que vous m'avez dit par exemple, il y a quelques personnes qui m'ont dit, les zones rouges, et moi c'est justement que tu n'as pas récupéré tous les objets dans la salle, donc merci parce que je n'avais même pas capté ça depuis le début de l'aventure. Je me disais mais pourquoi il y a des salles bleues et des salles rouges? C'est quand même incroyable. Et donc maintenant je sais pourquoi. Allez, on est parti. Attention, bim. En plus c'est logique hein. C'est vrai que c'est un peu tout con quoi. Alors attention parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont se réveiller. Bon, l'autre en plus il est pas mort, génial. Attends, je vais prendre celui-là. L'autre il s'est pas réveillé pour l'instant, par contre elle va me faire chier. Ok, j'utilise toujours un petit peu trop de munitions, génial. Toi, hop, viens par ici, gros. Ah putain, je balance des balles dans le vide, c'est un petit peu con. Attends, retourne par là-bas, il me semble qu'il y en avait un autre en plus, au fond de la salle, exact. Tire dans la tête, Galaxou, tire dans la tête, continue, enchaîne. Derrière moi, j'ai entendu. Hey gros, viens par là. Ah j'ai plus de balles, merde. Bah attends, je vais finir avec ça alors. Je vais finir avec ça. On voit quelques petites salves, attention, je recharge. C'est pas vrai, t'es pas sérieux. Ah c'est bon, il est mort, j'ai eu peur. Je me disais, putain c'est bon quand même, là je lui ai mis son tarif quoi. Déconne pas vieux. C'est une blague, bon t'es mort. Toujours pas hein. Ah ils sont résistants de fou hein. Non mais t'es pas. C'est une blague. Ok. Sérieusement, je leur ai mis combien dedans? C'est fini, oui. Hé, hey, Jojo. Voilà. Je préfère. Oui, oui, je leur donne des petits noms, comme ça c'est cool, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'aurais loupé? Je regarde. Là, il y avait un truc raccoon. Donc, on l'avait pété avec Léon, dans sa campagne, il me semble. Alors, qu'est-ce que... Je fais gaffe, hein, parce que j'entends encore un zombie. Là, il y a des munitions. Il est où le zombie? Là-bas. Ah, c'est la gonze. Allez. Attention. Derrière moi, peut-être? Effectivement. Ils sont hyper résistants, ici, haut. Putain, mais ils ont pris combien de café dans cette cafétéria? C'est incroyable. Ok, bon. Sinon, on me dit que la salle est toujours rouge. Oui, il y a des greux à récupérer. Là, il y a autre chose. J'ai bien fait de faire un petit peu de place, effectivement, dans mon inventaire. Il y aurait une grenade à récupérer dans le coin. On va check. La grenade, tu la vas où, toi, la grenade? Attends. Ah merde, de l'autre côté. Ah excuse. Attends, on va refaire le tour. Logiquement, là, ils sont tous morts. Hein. Par contre, je les ai bien tués, hein, si tu vois bien. Ah, par terre, ok, très bien. Il me reste plus qu'un slot hein, de disponible. C'est un petit peu léger, mais c'est pas grave. Allez, on peut enchaîner maintenant direction la cuisine. Et c'est étrange qu'on me mette pas la zone en bleu. Ouais, je sais pas pourquoi. Hein. C'est étrange. Peut-être qu'il faut remettre le courant, parce qu'après, je sais qu'il y aura une histoire avec l'appareil, là. Peut-être que ça remet le courant dans la cafétéria et que ça passe en bleu. Enfin bref, c'est pas trop important. Allez, la cuisine. Alors, dans le scénario de Léon, il s'est passé rien dans la cuisine, on était plutôt tranquille. Hein. Après, voilà, comme je vous le disais, il peut y avoir des variantes entre les scénars. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, moi. Il peut y avoir des variantes, donc on connaît pas tout non plus. En même temps, c'est bien. Un couteau, donc il y aura un couteau de dispo ici. J'ai plus de slot, hein, donc ça va être relou, ça, un peu. Je vais devoir faire gaffe. Il me semble qu'il y avait... Attends, je peux recharger, là. Ouais, j'ai récupéré des munes, du coup, de gros calibre. Il me semble qu'il y avait un enfoiré derrière la porte dans la campagne de Léon. Putain, voilà, exactement. Ah là là, c'est vraiment terrible ça. Viens par ici, toi. Oh là là, mais calme-toi quand même. Non, c'est une blague. J'y crois pas. J'y crois pas. Eh ben écoute, grenade, vieux. Bon, bah, comme ça, tu me diras, ça me libère un slot. Ah, c'est tellement abusé. Allez, dodo. Bon, on va le laisser dans la cuisine. De toute façon, je pense pas que j'y retournerai. Waouh. J'ai cru qu'il y en avait un autre, avec le bruit. What the fuck. Ok, on peut aller jusqu'à là-bas. C'est tout, après on peut pas retourner... Oui, il nous faut le badge du niveau sup. C'est ça. Attention du coup. Ok. Donc là, on a la puce. Super, il me reste un slot, fort heureusement. Là, on a des munitions que je peux logiquement combiner. Donc grenade incendiaire, c'est intéressant aussi. Les casiers qu'on peut ouvrir. Je me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a? Condensateur acheté. Ah, pour le fusil électrique. Ah donc ça je peux pas le prendre pour l'instant, je le prendrai après hein, du coup. Hein.
Parce que là, le fusil, je l'ai retiré pour l'instant de mon inventaire. Il prend deux slots, hein, il prend beaucoup de place. Et là, j'ai pas l'appareil pour l'instant. Et les cartouches à aiguille, ça sert à quoi? Munition pour fusil électrique. Ah d'accord, c'est une munition pour fusil électrique. Tu m'en diras tant. Il faudrait qu'on le teste hein, aujourd'hui, celui-là aussi. Hein. Donc j'ai récupéré la carte, je vais directement... Bim. Ah ouais, remarque, ça me libère un slot, attends. Non, pas examiné, combiné, du coup, avec le bracelet. Voilà, on est passé au niveau 2. Et là, logiquement, est-ce que je peux prendre ce truc? Je pense que je peux le récup. Ouais, super. Ça, c'est pas l'appareil, non, il faut trouver l'appareil. D'accord. Attends, il me semble que c'est pas l'appareil, ça. Ah voilà, il faut l'avoir, et pour l'instant, on l'a pas trouvé. Très très bien. Allez, on retourne là-bas, on a accès logiquement à la salle, je me méfie quand même. On sait jamais ce qui peut se passer, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Une surprise, quelque chose qui change, voilà, par rapport au scénario de Léon. En même temps, il y a quelques petits changements au niveau scénaristique, hein. Ça c'est sûr, on n'a pas non plus... On n'avait pas Chéri forcément dans la première campagne. Bref, il y avait quand même des choses qui changeaient. Normalement, à la réception, il n'y a personne, on est tranquille. Hein. C'est vraiment un lieu de repos, limite, j'ai envie de te dire. Alors là, on retourne au coffre vite fait. Attends, est-ce que je peux stocker des trucs? Ça, donc, ok, ce sera pour la poudre, je vais la mettre de côté. Grenade, c'est bien, ça me prend un slot quand même. J'ai une autre grenade, donc pour l'instant, celle-là, je vais la mettre de côté. Là, j'ai des munitions, pareil, une herbe, bon, il faut au moins une herbe quand même. Ça aussi, je vais mettre de côté pour l'instant. Voilà, à la limite, non, ce qu'on va faire, juste une chose. Le fusil électrique, je vais le prendre, je vais juste le combiner déjà en un premier temps. Bim, vas-y, combine-le avec l'accessoire. Oh, il est classe, hein. Ah, franchement, il est super classe. On dirait une arme de Dead Space, sérieux. On dirait pas une arme de Resident Evil. Bon, grenade, cartouche à aiguille. Bah, du coup, il les faudrait, mais là, j'ai déjà 7 cartouches. C'est pas mal. J'ai un spray aussi, hein, de côté, j'ai du soin. Ça, c'est pas mal. Il me reste 2 slots. Bah, écoutez, je pense qu'on va y aller comme ça. Je pense que c'est pas mal. À la limite, si on prend celui-ci, ça pourrait être intéressant de le tester. Voilà, on verra. Franchement, on verra. Je sais pas du tout ce que ça donne. On l'a pas encore vu. Je vais save vite fait, hein. Écoute, je vais save sur cette partie, hop hop hop, et puis on enchaîne, là maintenant qu'on a l'accès supplémentaire, on va pouvoir aller dans cette direction, si je ne m'abuse. Par contre, la cafétéria et la cuisine, ah oui, il y a la salle de sieste, panneau électrique, ouais mais j'ai pas encore le truc électrique. Attends, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose justement? Ça me paraît super étonnant ça, non? Je sais pas où il est ce truc électrique. Attends, qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est pas ça? Ah bah si, bah voilà. Modulateur de signal, bah super, enregistrement d'efforts spéciales. Ah bah attends, je vais y retourner vite fait. Bah ouais, attends. Je vais retourner vite fait, je vais allumer et puis zoubida quoi. On va le mettre, alors c'est OSS apparemment. Hein. Comme le film. Alors, OSS, faut d'abord examiner il me semble, et le mettre sur OSS. Ah bah il est sur OSS. Maintenant faut le régler. Ça c'est encore une autre histoire. Ah il y a une histoire, voilà, de trucs comme ça. Ça me paraît pas mal comme ça, non? Attends, comme ça peut-être. Voilà. Là, on est bon, je pense. Et on n'a plus qu'à le mettre si tout va bien. Utiliser. What, alors, attends. Veuillez m'excuser, petit souci d'écran. Aïe! Enfoiré, qu'est-ce que tu fais là? Il vient d'où, lui? Ok, attention, j'ai plus de munitions, par contre, je vais repasser sur le pistolet. Non, des sacoches! Enfin, une sacoche, dis-moi. Ah, trop bien, ça passe, ça, par contre, hein. Tu tombes bien. Eh ben, comme quoi, ouais, c'est pas inutile de revenir ici, hein. Carrément, hein. Alors je vais me méfier par contre parce qu'il me semble que j'ai été touché ou pas tout à l'heure. Non, j'ai même pas été touché en fait. Ah bah non, vu que je lui ai envoyé la grenade. Donc j'ai gardé mon herbe pour l'instant. Je me méfie parce qu'il me semble qu'il est pas mort. Hein. Y'a que ça à récupérer. Ok, on y va. Je pense qu'il est pas mort. Hein. Je pense qu'il est pas mort, donc restons sur nos gardes. Ouais, la salle de sieste elle est en bleu mais pas la cuisine. Bon, la cuisine c'est normal, il reste un couteau. Mais la cafette... Ouah ! Mais non, quel bâtard ! Ah, quel bâtard celui-là ! J'y prends pas, en plus c'est celui de tout à l'heure, il me semble en plus. Allez, explose mon pote. Oh l'enfoiré. Donc les autres, je sais que je les ai tués, hein, par contre. Hein. Est-ce que du coup, ça m'a fait apparaître un objet dans la cafette? Sérieusement? Bah non. C'est pas parce que c'est éclairé que ça m'a fait apparaître quelque chose. Je vais récupérer quand même une grenade. Il me reste 3 slots, comme ça c'est cool. Allez, on est pas mal. Eh bah écoutez, je pense qu'on peut y aller... On n'est pas trop mal. On va activer le pont. Avec donc le bracelet et la carte d'accès niveau 2. Let's go. Par contre, du coup, j'ai cette arme pour rien, là. Bah ouais. Cette arme pour rien. Je vais juste faire un truc. Je vais recharger celle-là, vu que j'avais récupéré des cartouches de grenades incendiaires. Enfin, des grenades, du coup, c'est pas des cartouches. On se comprend. Et aussi, on a cette arme avec des cartouches hyper puissantes. Et d'autres classiques, évidemment.
Là, on peut toujours pas y aller. Si je ne m'abuse, c'est par là-bas. Le premier endroit qu'on a accès. Non, c'est l'inverse, c'est là. Voilà. D'abord à droite, puis ensuite à gauche. Bon, je dirais pas qu'on connaît les zones par cœur, mais bon. Vu qu'on a fait la première campagne de Léon et que ça ressemble un petit chouïa... un petit peu, quand même. Un tout petit peu. Allez, en tout cas, bon, je pense qu'on est pas trop mal. On a un petit peu de soins. Ouais, j'ai une plante, j'ai un spray dans un coffre. Hein. Ah, un petit succès. Plein de place. Yeah. Agrandir l'inventaire au maximum. Ah, d'accord. Donc là, en gros, j'ai récupéré toutes les sacoches. Ah, bah, génial. Super, ça. Alors là, c'est une zone tranquille. Une petite plante, avec plaisir. Ok, oui, c'est vrai qu'il y a le coffre par là. Là, il y a de la poudre. Ça, c'est bien. On va pouvoir faire des munitions supplémentaires dans le coffre. Je vais juste vérifier si dans cette salle, il n'y a rien d'autre. Il y a un seul tableau. Est-ce qu'elle est en rouge? Non, elle est en bleu, donc j'ai tout récupéré. Il me semble que ça veut dire ça. Hein. Effectivement, vous avez raison. Super. Allez, vite fait, je vais dans le coffre. Je pensais pas avoir un coffre aussi rapidement, en fait. Mais si. Alors, je disais, la plante, j'en ai pas une autre. Si j'ai une plante bleue, à la limite, je vais la prendre aussi. On va les combiner. Ça fait pas grand chose. La poudre noire, pareil. On va essayer de la combiner. Combiner ça. Non, à la limite. J'ai plutôt combiné avec ça. Regarde. Hop. Voilà. La plante verte. C'est cool. Mais quoi? Mais arrêtez, bon sang! Oh, attendez. Connexion. Il y a des problèmes de connexion. C'est incroyable. Il y a des problèmes dans tous les sens en ce moment. Là, j'ai plus de connexion. Bon, en même temps, il y a de la neige. Hein, c'est à cause de ça, je pense. C'est horrible, sérieux. Bon, j'en étais où, là? Revenons à nos moutons. Ça me déconcentre de fou, en plus. Donc, attends, je vais prendre ça. L'herbe verte, je vais la virer pour l'instant. On verra plus tard. Ça, je vais essayer de le combiner. Ouais, ce serait pas mal. Ça me fait des cartouches en plus. On va combiner avec les petites. Voilà. J'aime bien avoir des cartouches, tu vois, normales, entre guillemets. C'est plutôt cool. Remarque, ça aurait été peut-être mieux d'avoir de la poudre, peut-être, de grenade. Ça aurait été peut-être plus utile que des petites cartouches. À voir. Après, je pense que sur, vous savez, les monstres avec les deux plantes, là, je pense que j'utiliserai notre nouvelle arme. On verra, du coup. J'ai 7 cartouches. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Il y a 3 slots de libre. Ça peut être sympa pour récupérer quelques objets, plantes, etc. Le calibre 45, j'ai plus de munitions. J'espère qu'on va en trouver. Sinon, je le remettrai dans le coffre. On verra. On va save directos. Alors, hop, hop, hop. Je voulais le save, du coup, sur celle-là. Voilà. Bon, du coup, par contre, j'ai viré mon calibre 45, parce que c'est vrai que j'ai plus de cartouches, donc je le reprendrai dans un coffre, bah, justement, quand on aura récupéré ce qu'il faut. Parce que là, pour l'instant, il est inutilisable. Ouais, cette salle, il me semble qu'il se passe pas grand-chose. Bon, on est en bleu, en plus, c'est la salle de conférence. Est-ce qu'on a un truc par là? L'accès à l'ordinateur. Effectivement, il faut avoir la carte supérieure, la carte violette. Pour l'instant, on est en bleu. Ah, et là, je voulais essayer, justement, parce qu'on va rencontrer ces fameux monstres à plantes, là. Je voulais tester cette nouvelle arme. De la poudre. Nice. Oh putain, c'est horrible, ça. Attention, ça va arriver. C'est pour toi. Tente de passer. Ça passe. Ouais, ça les calme, en gros. Très, très bien. Super, là, ce sera l'ordi. Avec les codes à rentrer, on se souvient. Alors, je vous espérais, par contre, que si vous regardez cette campagne, vous avez vu la campagne de base avec Léon qu'on a faite avant. Parce que vraiment, c'est... Alors, déjà, c'est la suite. Et puis, ça reprend, voilà, tous les environnements, quasiment. Bon, il y a des pièces supplémentaires par rapport à la première campagne, mais ça reprend absolument tout ce qu'on a déjà vu dans la première campagne. Donc du coup, c'est pour ça que je connais un petit peu les différents endroits, je connais comment faire, etc. Donc on n'est pas dans la découverte, là. Il faut regarder la première série si vous voulez vraiment quelque chose en mode découverte et noob total, du coup. Alors. Ok, on va enchaîner. Là, il y a une plante rouge. Je vais pas la prendre pour l'instant. On va aller voir ce qu'il y a par là. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Il y a un petit dock. Ouais, ça c'était pour les herbes, je m'en fous un peu. Ok. Lui. Une petite grenade qu'on va combiner, ça fait plaisir, évidemment. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, hein. Je fouille la pièce. Là, on a... Ça c'est plutôt pas mal, on va le combiner directement. Le truc, ça, c'est que c'est pour des cartouches. Alors ça m'intéresse peut-être un petit peu moins. Attends, je vais le garder en stock, je sais pas si justement je vais les combiner, ceux-là. Il me semble que ça me fait des cartouches classiques. Bon, c'est pas grave, allez. Même si ça me fait des cartouches classiques. Non, il me semble que ça fait grenade. Ouais, ça fait grenade. Très, très bien. C'était justement ce que je voulais. Ça va nous être super utile, là, pour les ennemis, justement. Même si je pense qu'il faut essayer d'utiliser un petit peu le truc électrique. Hein. Je pense que c'est mieux. Logiquement, on a tout récupéré. Par contre, la zone est encore en rouge. Je pense que c'est qu'il y a encore le truc avec la grille, tu vois, le mécanisme. Je pense. Hein. Oh, putain. Ok. Est-ce qu'on peut faire le tour, éventuellement? J'ai tenté un truc.
Fais gaffe qu'il n'y en ait pas par là. Est-ce qu'on peut faire éventuellement le tour? Oh putain, le con. Bon, profitons-en qu'il n'est pas encore en place. On peut y aller ou pas? Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme code? Oh putain, tac. 2 points F pause. Ok. Ah, ça tombe de là-haut. Ok, machin, 2 points F pause. Moyen mémotechnique, évidemment. Alors, c'était celui-là, hein. 2 points F pause. J'espère que c'est ça. Yes, c'est bon. Hé hé. Ça va. Ok, donc là, logiquement, c'est la grille qui est ouverte. Hein. Attends, j'ai récupéré le truc là-dedans? Ouais, je l'ai. C'est la cartouche. Objet clé. En même temps, on n'avait pas le choix si on voulait activer la cinématique. Alors, attention, parce que là, il me semble qu'ils sont pas loin. Ouais, ça risque d'être un peu relou. Ok, il y en a un qui arrive de l'autre côté. Attends, je vais passer là. Il y a peut-être moyen qu'ils comprennent rien et qu'ils aillent à gauche. Oh putain, il y en a un autre. Derrière moi. Ok, bien vu, barbu. On peut y aller. Oh là là, quel pro! Il me semble que j'avais déjà fait dans la première campagne de Léon, ça. J'avais contourné un petit peu. Et ça fonctionne bien. Alors attends. Là, il me semble qu'il n'y avait pas d'ennemis, mais avant, je vais aller voir là-bas parce qu'il y a peut-être des objets à récup. Le truc, c'est que j'ai plus beaucoup de place. Alors en plus, on a toutes les sacoches, donc c'est pas une question de place, hein, ça. Ok, plan du labo, salon, labo de test basse température, salle des serveurs. Ah, c'est bon, il me reste encore un slot. Très bien. Par contre, il nous faudra un slot, si je me rappelle bien, pour récupérer le trophée où il y avait un code aussi dessus. Donc là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. De toute façon, je pense que là, on va bousiller des munitions. Hein. Parce que si je ne m'abuse... Ah, il me reste qu'une munition de grenade incendiaire. Si je ne m'abuse, c'est la zone des liqueurs. Eh ouais, il me semblait. Hein. Ah merde, là, c'est fermé, c'est vrai. Merde, c'est mon ombre. J'ai flippé, putain. Ok. Alors, il est où ce trophée? Il me semble qu'il était dans le coin. Ah, ça, c'était grenade incendiaire. Bon, logiquement, il se réveille pas. Hein. Si c'est comme dans la campagne de Léon. Voilà. Là, on a le truc. On peut allumer, je pense, directement. Est-ce qu'on allume direct? Je sais pas. Je suis pas sûr que si on allume direct, ça fout pas le merdier, ça fait pas venir les liqueurs direct. Attends, on va avancer un petit peu. Je m'arme, évidemment. C'est quand qu'ils se réveillent? Normalement, les zombies se réveillent avant. Voilà, on se casse. On va essayer de les attirer par là. Je vais essayer... Oh putain! Attends. Raccourci. Ah, si! Non, c'est juste que j'ai... Il me manque une arme en raccourci, là, non? Ah, ils m'ont retiré celui-là. D'accord, c'est bizarre. Pourtant, je l'avais mis en raccourci, il me semble. Ouais, chelou. Enfin bon. Allez, alors attends. Je vais sortir les balles normales, là. Parce que j'ai des balles super puissantes, mais je le garde pour des ennemis plus costauds, peut-être. Ça dégage. Merde. Voilà, je stresse un peu, tu vois, je prends le pistolet mitrailleur quand je stresse. C'est énorme. Quand je stresse, il y a le pistolet mitrailleur. Attends, recharge. Et prends les autres... non. Non, c'est bon, on est bien sur ces munitions-là. C'est des munitions classiques. Putain! Dégage! Attention! Vas-y, on esquive, là pour l'instant on est bon. C'est chaud mais on est bon. Putain! On chie les gars là! Ils sont forts! Ils ont une vie eux! Incroyable! Pas mort! Incroyable! Incroyable mais vrai! Là! Ah la vache! Et il me reste encore 12 munitions hyper puissantes, tu vois. Bon, là s'ils y sont pas, je me fais curer! Encore une fois. Les liqueurs sont pas venus. Est-ce que j'ai un slot de dispo? Toujours pas. Et j'ai toujours la poudre. Mais il me semble qu'on a un coffre après dans la salle là-bas. Oh, c'est marrant, il me semble que le trophée était là dans la première campagne. On va peut-être le trouver plus loin. À voir. Donc là, attention, parce que... Si je ne m'abuse... J'ai une grenade, au fait. Ouais, j'en ai deux, une grenade normale. Ok, les liqueurs sont arrivés là, hein. Attention, ça va être chaud. Ça va partir en stack. Oh. C'est parti, recharge vite. Vas-y vieux. Prends ça. Ok, recharge vite encore. S'il se réveille. Ouais, ouais. Allez. Logiquement, c'est bon.
Vas-y, prends ton flingue. Je déteste les liqueurs. Je pense qu'on est bon. Écoute, je les ai plutôt bien maîtrisés, je pense. Je pense et j'ai toujours pas de place. Et je n'ai plus de munitions de pistolet mitrailleur. Ah si, j'en ai 4. Ouais, zombie quoi. C'est pas grand chose. En avance, c'est peut-être pas fini. Il me semble pas qu'il y avait un troisième liqueur, ça. Là, il me semble qu'on est bon. Là, on a... peut pas toujours pas y aller, donc c'est de ce côté. Il y avait pas un objet, là? Non. Allez. On se méfie, hein. Je stresse. Je stresse de fou. En plus, je sais pas si j'ai pas remis un petit peu de... Là, il y avait un zombie. Je sais pas si c'est pas plus sombre, effectivement. Alors lui, je vais le tuer direct, tu sais pourquoi? Parce qu'après, il monte et il est bien relou. Il monte et il vient te surprendre là-haut et tu l'attends pas, tu sais. C'est immonde. Bâtard! Tombe! Attends, je vais le finir pour être sûr. Vous allez me dire, ouais, mais il est endormi! Mais non, il faut vraiment le finir. Comme ça, t'es sûr d'être tranquille, quoi. Donc, couteau, direct. C'est bon? Bon, j'espère qu'il y est, hein. Je pense qu'il y est. Putain, s'il y est pas, merde, quoi. J'ai usé tout mon couteau sur lui. Non, ça va. Il a encore une petite durée de vie. Ça passe. Ok. Putain! C'est vrai, j'avais oublié celui-là. Il me fait tout le temps peur, ce con. De l'autre côté. Mais non! Je suis allé sur lui, putain! Mais quel débile, sérieux! Je suis allé sur lui, je me suis dit, je vais redescendre plutôt. Ah là là! Attends, alors toi, pour ta peine, tu m'as énervé. Pour ta peine, tu m'as gonflé, vieux. Voilà. Faut pas m'énerver, hein. Ah ouais? Sinon, aucune chance, quoi. Jambes coupées, tête éclatée. Il me saoule. Oui, je sais, j'utilisais une grosse munition. Ouais, ouais, je sais. Il m'a un peu vénère. Ouh là là. Attends, je suis pas bien du coup, là. Il faut que je me soigne. Ah ouais. Pas le choix, hein. Faut que je récupère un gros objet de soin aussi. Putain, j'ai que 4 munitions de cette arme à la con, là. Ça va être relou. Note anonyme. Brûlez-les. Ouais, je sais. Attends. Elle va... Mais oh! Reste là! Pourquoi tu te barres? Attends, je m'occupe d'elle. Hein. Oh non. Ah d'accord! Ah pourtant c'est pas une grosse balle? Bah non, c'est une balle normale. Super. Ah voilà, calibre 45, donc là on pourra reprendre l'autre arme. On va pas mettre le truc là? Non, apparemment pas. Bon, elle est morte, c'est sûr. Putain, imagine elle se réveille. Putain. Ah ce serait des boules. Vraiment quoi. Putain, je m'en souviens même plus là. Ah mais d'accord, oui on revient ici. C'est pour ça que j'étais un petit peu perturbé. Attends, pourquoi la porte était pas ouverte direct quoi? Oh c'est tellement chiant. Donc là on a récupéré, je sais même pas ce qu'on a récupéré en fait. On a récupéré une note. Là on peut rien mettre, pourtant j'ai le dispositif. C'est pas un problème. Mais on peut pas le mettre. Du coup j'ai pas récupéré le trophée. Attends. Ça je peux le combiner. Super. D'ailleurs, est-ce que je peux combiner les deux? Ouais, mais ça me fait une belle jambe. Je vais pas récupérer de code. Hein? On est d'accord. Attends, je vais retourner en bas. Je vais voir si j'ai loupé quelque chose. C'est bizarre. J'ai dû louper un truc. Laisse-moi réfléchir. Parce que là, en plus, je me suis débarrassé des mecs, donc pas de problème. J'ai pas trouvé le trophée. Il est où ce foutu trophée? Attends, laisse-moi voir ici, peut-être qu'il y avait un truc. Ah non? Il me semble que le trophée était avant. Hein. Bon, c'est bizarre. J'ai toujours pas accès au labo. Ouais, j'ai loupé un truc, c'est sûr. Ah, attends. Ouais, d'accord, j'ai pas accès ici. Ah, mais je suis con, faut que j'allume ça. Ben oui. Je suis bête, j'avais dit que je l'allumerais après. Attends, je peux récupérer la plante, je pense. Yes. J'avais dit que j'allumerais après. Et voilà, carrément zappé moi. Alors, URF, examiner. Tu vas passer en URF. On va voir. Fais tourner. Voilà, c'est à peu près comme ça. Attends. Non, c'est plutôt là. On va essayer de le faire bien rentrer. Voilà, vas-y, mets-le comme ça. On était bon là, attends. Voilà, là on est bon. C'est pas toujours évident ces trucs. On utilise que la lumière soit. Et la lumière fut. Attention parce que ça déboule maintenant. Surprise quoi.
Apparemment pas. Donc là maintenant j'ai accès à cette pièce. Oh, ça a été une hécatombe ici. Une boucherie! Y'a personne? Ça a pas l'air. C'est une salle tranquille. Ok, encore de la poudre. C'est pas mal tout ça. Yeah! Putain, c'est bien. Ce qui annonce aussi que ça va être la mouise. Super. Là, on a un couteau. J'en ai déjà un. Ah, ça c'est bien par contre d'avoir un coffre là. C'est plutôt cool d'avoir un coffre. Qu'est-ce que je peux stocker? Ça, j'en ai besoin. Ah, par contre, je vais pas les combiner. Celui-là, je peux pas le combiner à l'autre. Ah merde. Attends, je vais déposer ça du coup. Parce que ça risque de nous embêter un petit peu, je pense. Dépose ça, ouais. Je vais déposer celle-ci, j'ai deux grenades comme ça. Calibre 45. Ça serait bien que je le reprenne. Je regarde un petit peu, j'ai les grosses munitions. Ça, il faut que je le garde. J'ai pas le choix. Ouais, j'ai deux slots. Allez, bah maintenant du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller chercher... Mais écoutez ce trophée, parce que là logiquement il est quelque part. Hein. Il faut qu'on le trouve, et on trouvera logiquement en même temps le code qui nous permettra de déverrouiller la grille, il me semble, de la machine qu'on a dans une salle d'avant. Calme-toi. Putain, je vois ses membres qui bougent, ça m'inquiète un petit peu. Alors... Ah, le problème c'est qu'il était pas ici hein, le trophée, il me semble. Attends, c'est pas ça? Ah, bah voilà! D'accord. Oh, les petits coquins, ils l'ont changé de place. Bah ouais, ils l'ont changé de place dans la campagne de Claire. Oh, le bâtard. Incroyable, ça. Bienvenue, Docteur Lee. Ok, il me semblait aussi qu'elle ne bougeait pas. Bien, hein. 5 nouveaux messages. Ça me fait une belle jambe. Alors là, il me semble qu'il faudra y aller, bah après. D'abord, si je ne m'abuse, il faut s'occuper de la solution, enfin, dans une pièce, tu te souviens, où il y avait la grille. Donc on va retourner là-bas. Mais arrêtez de bouger, bordel, vous me foutez le stress. Donc attends. Là, du coup, il me semble que j'avais libéré la voie. Hein. Logiquement, je peux passer par là. Sans problème. Normalement. Je dis bien, normalement. Si tout va bien. Bon, ouais, c'est bon. Tranquille. Ah bah non, c'est pas bon. Oh putain, le con. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce que tu fais là? Eh vieux, qu'est-ce que tu fais là? Attends. Tranquille. Allez. Est-ce que je peux y aller, moi? Même si ça brûle. Ça me retire pas de santé, hein. Et d'où il y a des monstres comme ça ici? Par quelle magie noire? Ah, il est en train de succomber là, vraiment ça lui fait pas du bien. Hein. Ah oui, mais on repique par là après. C'est ça en fait, j'avais oublié. D'accord. Et là on peut resave. Le trophée, on va en avoir besoin effectivement de ce trophée. Bon bah il est direct hein. Ouais, on va vraiment en avoir besoin de ce trophée pour avoir le code, vu qu'il y a le code en dessous. Hein. Si je ne m'abuse. Attends, je vais quand même vérifier que c'est la même chose. On sait jamais. Attends. Ah oui, c'est bon. Voilà. Donc on a le code en dessous. Le mec était même plus sûr de lui, tu sais. Bon, on sait pas, hein. Des fois qu'eux, ils nous font des misères. Ok. Allez, on va les brûler. Allez. Des plantes qui brûlent. C'est beau, non? Il me semble que vraiment, ça les... Est-ce que ça les tue complètement ou ça les calme pendant un certain temps? Je sais même plus si ça suffit pour les tuer définitivement. Je suis même pas sûr. Ok, bon là le code maintenant. Attention, mémoire de Galax en action. C'est pas forcément facile. Alors, ah, d'accord, je peux plus regarder le code en mode zoomé. Ok, alors on va dire, ok, Tetris, la barre, carré, bande et pause. Bon. Ça. Merde, carré, bande, c'est ça. Après c'est quoi? On termine par les deux points. La pause et les deux points, c'est ça? Ah merde! Attends, donc non, c'est Tetris. Ça c'est en 3, merde. Pause, ça et non, 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 il y avait la barre, back. Non, c'est la petite barre, ça et pause. C'est ça, non? Yes! La mémoire est pas forcément exceptionnelle. Hein. J'ai pas de mémoire d'éléphant, on va dire. Attends, il y avait pas un corps là-haut? Ah non, c'est juste, d'accord. Bon, une plante. Ok. Oh là. Pas de bruit. Ah, même sans faire de bruit, ils savent que je suis là. Putain. Vas-y. Dodo. Bâtard. Quoi? Donc là, moi, faut que j'aille dans cette direction. Ça passe ou pas? C'est bon.
C'est bon. Je me méfie que l'autre il se travaille pas là-bas, on sait jamais. Ah ouais, puis là c'est l'énigme à la con. Bien chiante. Je m'en souviens. Allez, on utilise ce truc. Mode manuel activé. Et ça, ça va me prendre 10 plombes. Je vais faire une coupure directe, hein, moi je te le dis. Hein. Parce que à chaque fois, je mets 10 plombes pour le réussir ce truc. Yes! T'as qu'est-ce que c'est chiant ce truc? Sans déconner, je mets toujours un quart d'heure à chaque fois. Je vous jure que c'est vrai, si l'énigme. Vraiment, faut tout retourner dans tous les sens. Après, faut faire marcher un petit peu son cerveau. Et vous savez que moi, c'est pas évident. Moi, il y a quelques difficultés. Bon, très bien. Je récupère le machin, la cartouche, la soluce. Ça, on peut le virer. Comme ça, moi, ça me fait de la place. Évidemment, jette-moi ça. Il nous reste la solution, les cartouches. On est pas mal. Je vois vite un petit tour, mais logiquement, il n'y a rien d'autre à récupérer. On va se méfier, par contre, des affreux dehors. Hein. Les affreux Jojo. Parce qu'ils sont relativement excités. Je peux utiliser quelques munitions comme ça. Pourquoi pas. Et donc là maintenant, ce qu'on doit faire, eh ben, c'est retourner au labo avec la solution. Tout simplement. On peut passer par là. Attention, il est là. Attention. Au labo, c'est là-bas. Putain. Ok. Ah, je crois que j'en ai touché qu'un. Un petit peu embêtant ça, non? Eh, il est pas en feu lui. Si, pourtant. Tu te fous de moi? Ah d'accord, ça met un moment quoi. Ah bah non. Un fou, une autre. C'est fou. Là maintenant, je passe sur les cartouches d'acide. Hein. Pas de choix. C'est bon, les deux y sont. Lui aussi. Ok. Elle se réveille toujours pas, elle. Ah, c'est désolant, hein. Ah, je m'attendais à un truc avec elle à un moment. Et puis non, rien du tout. Si j'avais su, j'aurais pris oui, ma parka. Oui, t'aurais pris ta parka. Alors, là, on met la solution. Voilà. Normalement, c'est bon, hein. Yes, c'est chargé. On attend que la machine elle fasse son petit schmilblick, mais en tout cas pour l'instant, ça roule ma poule, y a pas de souci. Refroidissement en cours. On est bien, on a des munitions, on en a pas trop non plus, hein, parce qu'il va nous en falloir pour la suite, on le sait. Alors attends, laisse-moi me rappeler, après qu'est-ce qu'on fait? Eh ben ça, maintenant que c'est prêt, après on va directement retourner à la machine en fait. Tout simplement. Mais je me disais, vu que Monsieur X... Il s'est fait arracher toute la partie gauche, il me semble. Maintenant, est-ce que réellement, c'est une question sérieuse, est-ce qu'il est encore là? Parce que souvenez-vous, dans la campagne de Léon, on le voit débarquer après. Faut faire un petit trajet. Oh putain. Il était pas mort. Ah, il a failli me pécho. Salopio. Il a failli m'avoir. Putain, heureusement qu'on a des grenades. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Bon, j'aurais aussi mon truc électrique, mais bon. C'est pas pareil. Ouais, là on doit retraverser encore une fois. Putain. On charge. Ah putain, ça les déglingue pas. Merde. Eh oui, c'est pas... C'est pas terrible. Hein. Il est parti? Vas-y, ça a déglingué peut-être, Marc. Merde. Putain, j'avais pas vu venir. Bon bah couteau. Dommage. Dommage, bro. Moi, j'y vais, hein. Du coup, il m'a usé mon couteau. Il me semble qu'il y avait un couteau dans une salle qu'on n'avait pas récupéré, tout neuf en plus. Donc, on s'en servira, éventuellement. Faut en ira le prendre. Allez. Ouais, il me semble dans la salle d'en bas, en plus. Mais est-ce qu'on va y retourner? Je suis pas sûr. C'est ça aussi. Mais il me reste des grenades, au pire. Hein. Si jamais on m'attaque, on prend pas surprise. Voilà. Carte niveau supérieur, la carte violette. Qui nous permettra d'avoir accès à l'autre aile. Ah, du coup, j'ai de la place, j'ai 4 slots dans mon inventaire. Hein. Ah, j'ai vraiment de quoi faire. Hein. Sans déconner. Par contre, j'ai plus beaucoup de. Ah, il y avait ça aussi. Attends, je vais la prendre. On va la. Hop, combiner. Tant qu'à faire. Attention, parce que j'ai entendu des monstres. Alors là, est-ce que Mister X va venir? Là est la question. J'ai pas l'impression, hein. Normalement, il est dead, hein. Oh putain. Oui, ça l'a pas touché. Putain. Non, y a pas Mister X, hein. Il n'est plus, hein. Mister X n'est plus, les amis. À l'acide, ça les couche. Bah ouais. Alors attends, maintenant, faut aller où? On a récupéré la carte. Bon, on peut enchaîner. Tout simplement. Monsieur X n'est plus. Ah ça c'est une tension en moins quand même, hein. On va pas se mentir, attends je vais récupérer vite fait la plante rouge. Ouais non laisse tomber, il est là le vieux. Ok. Oh putain dedans. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait là?
Mais c'est pas possible. Bah ils rentrent maintenant, eux. Bah attends, c'est une nouveauté, ça. Bah ils rentrent maintenant. Mais... Oh. Attends, je vais récupérer mon couteau, hein. Donne-moi mon couteau, vieux. C'est quoi ce délire? Le mec, il rentre comme ça. Non mais oh. Allez, on va vite quitter cette aile. Il reste une petite plante rouge, mais c'est pas grave. Il reste d'autres ennemis. Le bénéfice, à mon avis, qu'on aura est nul. Attention. J'ai pas le choix, hein. Ah, il y en a d'autres! Putain! Ok. Ah, oh, relou ça. Allez! Couché, bébé! Voilà. Faut un petit moment avant que l'acide agisse. Et après, c'est bon. N'oublions pas qu'on aura des cartouches à les récupérer. Il m'en reste plus que deux, hein. Faut que je retourne à un coffre. Effectivement. L'accès à l'ordinateur. Ah, oui, c'est vrai qu'il faut l'équiper. Attends. Combiner. Hop! Voilà, niveau 3. Super, boîte de réception. Mais je m'en fous de ta boîte de réception! Cadre supérieur. Voilà, bon. En fait, j'ai même pas regardé, j'ai même pas ce que j'ai récupéré. Boîte de réception, ouais, c'était ça? Bah, du coup, c'est pas intéressant. Ok, bon, on peut se barrer, hein, tout simplement. Hein. Voilà, obtenir l'agent antiviral dans la zone ouest. J'ai capté. Alors, attends, cette zone, c'est fait. Ce qu'on va faire. Alors, je vais garder la machine parce que peut-être qu'on en aura besoin. Je vais reprendre juste là, les munitions grenades. Le spray, non, ça va pour l'instant, ça se passe bien, on a une plante en réserve, ça je vais le prendre, la grenade non, et si on trouve de la poudre, eh ben je pourrais comme ça, voilà, effectivement, combiner pour avoir d'autres munitions, et j'espère qu'on en aura l'occasion. Allez, très très bien. Bon, on peut repartir d'ici du coup, on va aller vers l'autre aile, toi-même tu sais... Par contre, ouais, alors, niveau munitions de grenades d'acide, ça va. À ce niveau-là, ça va. Ce qui va pas, en fait, c'est le pistolet mitrailleur, j'ai plus grand-chose. C'est ça aussi, forcément, je combine certaines... Pour certaines munitions, mais on pourrait en faire d'autres si on avait choisi d'autres combinaisons. Allez. T'inquiète, on va se dépêcher. Tout ça, on le fait pour Chéri. Et donc, vous l'avez vu, il n'y a pas Mister X. En tout cas, dans cette première aile, alors qu'il arrivait, hein, normalement. Il débarquait dans la campagne de Léon. Mais forcément, normalement, on est plus censé le revoir. Je dis bien normalement. Ah, là, il y avait bien la VHS. Eh ouais. Combine. Putain, on a 3 grenades, on est bien, hein. Fouah. On est vraiment bien. Alors, zone rouge, il y a des trucs à récupérer. Ça, là, encore une fois, avec un coffre. Nice. Là, je vais allumer directement avec ça. AWS. Mais non, mais utilise pas le pas tout de suite. Faut d'abord le régler, voyons. Mais Galaxou, réfléchis un petit peu, un temps soit peu. Alors, examinez. On avait dit quoi? AWS, hein. Il me semble. Attends, AWS, voilà. Alors. C'est plus comme ça, style. Voilà, on est bon. Bon, ça va, on prend un petit peu le coup de main, au fur et à mesure. C'est ok. Sévère. Super. Ça rime en plus. Sévère, super. D'accord. Bon, c'est pas mal. Boîte de réception William Birkin. Putain, il est long ton mail, hein, vieux. Hein. Je vérifie qu'il n'y a rien. C'est toujours en rouge. Bizarre, ça. Pourtant, je vois rien du tout. Ah, si. C'était peut-être ça. Juste à prendre. Et voilà, c'est bleu. Tu vois, juste pour un objet. C'est ouf. Alors, attends, il y avait un coffre. Est-ce qu'il y a une machine à écrire? Il y a un coffre, pas de machine à écrire. Par contre, hop. On va lire directement la VHS, comme ça après on pourra la virer. Bon, du coup, c'est exactement la même vidéo, je voulais pas passer du coup, parce que bon, y a aucun intérêt, on l'a déjà vu dans la première campagne. Je la dépose directement, et j'ai pas de la poudre supplémentaire, donc on verra un petit peu plus tard. Ouais, niveau équipement, franchement, on est bien, donc pas la peine de s'embêter plus que ça. Eh ben écoutez, on enchaîne, hein, voilà. Pas le temps de niaiser, mon gars. Pas le temps de niaiser. Dis-moi qu'il y a un truc à récupérer, là. Ouais, c'est une zone rouge. Ah, bah voilà, de la poudre. Bah du coup, maintenant, je vais retourner au coffre. Super, ça. Poudre blanche plus poudre... Attends, on va voir ce que ça fait. On va voir. Poudre supérieure blanche. Bon, on va combiner les deux. Il me reste de la place dans mon inventaire. J'ai aussi un spray, hein, que je pourrais prendre. Ça, faut que j'y pense. Hop, je prends, je combine les deux. Et ça me donne, ah, enfin, des cartouches de pistolet mitrailleur. Ça, c'est bien. Blanche, c'est le top. Allez, on peut recharger. Là, je me sens mieux. Tu vois, je me sens beaucoup mieux. Bon, je vais rester quand même sur ce type de munitions-là. C'est toujours sympa. Waouh.
Allez, petite douche. C'est beau. Décompression. Y avait pas un truc pour aller par là? On peut pas descendre. Non, moi je voulais voir, hein, par curiosité. Oh là là. Ah oui, c'est pas là que arrivait le boss? Il semble, hein. Ah non, c'est peut-être après. Je sais plus. Je sais plus trop. Journal de recherche. Bon, en tout cas, on n'est pas loin. Hein. Ouais. Attends un peu. Ok. Bingo. Je l'ai. Enfin. L'agent antiviral. Faut que je retourne voir Chéri. C'est gagné, bah ouais. Alors attends, là par contre je récupère tout. Et par contre il me semble qu'il n'y a qu'une poudre et que ça va me dégoûter. Ouais. Il n'y a qu'une seule poudre. C'est vraiment dommage. Ah non, il y en a deux. Ah, trop bien. Super. Plante rouge. Donc ça, c'est qu'on arrive vers le boss, hein, du coup. Hein. Vas-y, combine. Je regarde un petit peu. On se prépare bien avant. Hein. Il y a une machine à écrire parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Alors, on va combiner celui-là avec celui-là. Ça me donne ces cartouches-là. En plus, j'en ai déjà en réserve dans le coffre. Donc, il me semble que je vais pouvoir être à 100%, être à fond. Attends, est-ce que j'en ai en réserve? Ah bah non, j'ai rien dit. Je pensais qu'il m'en restait, mais pas du tout. Très bien. Je vais virer cette herbe-là. À la limite, non, je vais la combiner avec une autre plante, non? Ouais, pas la peine. Attends, on va le faire juste par principe. Combiner. Je pense pas que le fusil électrique il va nous servir pour le boss. Hein. Je vais prendre la grenade. Ça m'étonnerait qu'il nous serve. On avait récupéré également des cartouches 45, donc de gros calibre. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on prenne l'autre arme, parce que ça va nous consommer de la place. Je sais pas trop, du coup. Là, je vais prendre mes trois objets de soins, parce que face au boss, à mon avis, on va s'en servir. La pistolet mitrailleur, le calibre 45, du coup. Celui-là, j'en ai plus besoin. Je peux le déposer. Ouais, celui de calibre 45, je peux le prendre. Si. Avec les munitions. Bah, on est plein, du coup. Est-ce qu'on pensait que c'est un bon setup? Moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va rester comme ça? Allez, on est bien. On va save, directos. Je pense qu'on est pas mal pour affronter le boss final. Alors, est-ce que c'est le même boss? Est-ce que c'est le même boss sous la même forme, etc. Bon, on va voir, écoute. Que de voir ça. Donc là, on ressort et il devrait débarquer. Si je ne m'abuse. Attends, j'ai juste rechargé, vite fait. Est-ce que c'est tout rechargé? Ça a l'air. Est-ce que tu peux juste passer celui-ci? Non, celui-là, du coup, il n'est pas raccourci. Voilà. S'il te plaît, recharge. Voilà, tu fais plaisir comme ça. Ok, recharge bien. Super, on y va. Là, je suis ready. Et voilà. Encore toi, William. Finissons-en. Ce monstre. C'était mon mari. J'ai créé ce virus. J'ai dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Je sais pas pourquoi je... J'ai pas pu. C'était votre mari. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et Chéri, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. Pas une raison pour la laisser. Oh.
Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. J'ai eu le temps de me faire une idée. Quoi que tu fasses, sois bien certaine de le tuer. Je sais. C'est toi qui va en finir. Ah ouais, quand même. Mais c'est pas exactement pareil que Léon, du coup, mon gars. Allez, directement, voilà sur l'œil. Là, on aura plein de mules à récupérer, du coup. Attends, je recharge à chaque fois. Ouah, putain! J'ai bien fait de me retourner vite fait. Hein. Allez, prends ça, recule-toi, vieux. Attends, je vais m'écarter là-bas. Hein. Tu permets? Je vais recharger en même temps. Calme-toi! Ça, ça te fait reculer, il aime pas du tout. Hein. Vas-y. Allez, tu vas crever, saloperie. Je sais pas si je touche vraiment, là. Aïe! Ça pique. Faut que je fasse attention à bien prendre des objets de soin. J'avais déjà un peu galéré contre lui, il me semble, avec Léon. Si je ne m'abuse, hein. Il me semble qu'il prend des objets à un moment. Non? Il me semble qu'il se vénère, il prend des trucs. Voilà, attends. Voilà. Ensuite, tu peux peut-être lui envoyer la sauce. Attends, je prends les grosses balles. Peut-être moyen de lui envoyer la sauce, là. Je suis en train de réfléchir à un truc. Peut-être lui envoyer dans son œil. Là, regarde. Il y a moyen, peut-être. Ça a refermé. Attends un peu. Je recharge. Il y a un gros œil en bas. Être partout, en fait. Ah, merde. C'est mal, ça, non? Ouh! Reste deux munitions de trucs. Là, il est tout fou. Touché, mon gars. Tire-lui dans son oeil. Ah, putain. Je tire à côté, vieux. Ferme mon naze. Oh, attention, il est tout rouge. Ne pas mourir. Ne pas mourir, Galaxou. Prends un soin. Heureusement que t'as pris tous les soins. Il reste une munition, les gars. Il reste une munition à peine. Calmos. Je vais exploser l'œil. Casse-toi! Putain. Ouais. J'ai plus de munitions de trucs comme ça. J'ai des grenades hein, par contre que je peux équiper. Je vais essayer de faire ça. Prends ça! Je vais l'envoyer où il fallait ou. Ah non. Attends. Grenade! Putain, je crois bien. Vite, soin, soin, soin! Vieux! Putain, je stresse. Il me reste un spray. Tiens, prends ça. Putain, il est chaud, hein, quand même. Hein. Il me reste une grenade flash. J'ai plus de pistolet mitrailleur. Il me reste ça comme arme aussi, et celui-là. J'ai plus grand-chose en arme, d'ailleurs. On va récupérer des munes, hein. Mais ouais, tellement. Attends, je vais récupérer des munes à droite à gauche. Je vais pas avoir le choix. Ok, combine. Combine. Ah, il y en a partout, hein. Putain, je vais récupérer tout ce qu'il faut. Combiné. Yes, grenade. Oh! Couteau-toi! Non, pas le couteau, c'est une mauvaise idée. Barre-toi, on va se mettre comme équipement, du coup, celle-là. Il est tout fou, ça y est. Calmos! Attends. Là-bas, il y a des munitions, il me semble. Non, merde. Essaye de te barrer. Vite, 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 vite. Récupère toutes les munes. C'est moi ou il est plus chaud qu'avec Léon? Je sais pas, j'ai l'impression. Un spray. Putain, ça fait plaisir. Merde. Vite. Super. Vas-y, monte ton œil, gros. Merde. Attention. Écartez-vous! 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 J'ai plus les grosses mules, hein. Allez. Attention. Il me reste des balles. Et j'ai plus rien comme munitions, moi, c'est ouf, hein. Attends, je vais reprendre l'autre. Recharge le Cali 45.
Vas-y, attention. Ouf, bien esquivé. J'ai plus de grenade, attends. Ouais, j'ai plus de grenade, il me reste du soin quand même. Hein. Ça va. Ah, tu sais quoi, on va se barrer. On s'écarte un petit peu le temps qu'il lance sa merde. Ok. On va lui faire exploser dessus, ça aurait été bien, mais bon. Je m'écarte un peu, là. On peut l'esquiver, lui, ça va. Hein. Ok, là, il est tout fou, on s'écarte. Soyons prudents. Quoi qu'on est tout fou, c'est rien d'y aller, je pense. Hein. Ok. J'ai pris des risques, là. Putain. Mais c'est quand qu'il est pas tout fou, en fait. Maintenant, il est fatigué. Tu l'envoies la sauce après. Et pas 25 ans pour... Oh putain. C'est bon. Ah, on est bon niveau esquive là. Très très bon. Ah, il va prendre sa connerie. Voilà. On va se barrer. Vas-y, envoie ta merde. Il me reste quelque chose à récupérer. Ah mais oui. Attends. Il y a des munitions améliorées ici. Attends, je vais aller de l'autre côté gros. C'est là. Bah ouais. Attends. Oh. Il me semblait qu'il y avait bien plus de munitions que ça. Évidemment. Aïe. Ouais, je sais pas si j'aurais dû. On se casse. Alors attends. Je prends un spray ou pas? Non, on est en orange, ça va. Je disais, ouais, on va prendre celui-là. Hop, change, prends les grosses cartouches. T'as deux grosses cartouches, c'est intéressant. Calme-toi, vieux. Et j'ai une grenade aussi. Un peu relou, ce mec. Waouh, 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 calme-toi. Allez. C'est dingue. Quel 45. C'est dingue. Il est résistant ou... Putain. C'est pas possible. Attends, on peut tenter éventuellement l'autre, mais je pense que ça va rien lui faire. Ah si. Bon, il lui manquait pas grand chose, je pense. Allez, ça, c'est fait. Très bien. Alors, je vais récupérer ce que j'ai pas pris. Il me reste une petite grenade. J'ai trouvé très résistant, quand même. Je sais pas vous, il n'était pas plus résistant que la première fois. Je suis pas sûr, mais j'ai comme l'impression, quand même. Ah bah ouais, fallait peut-être... Mais c'est ça. Lui, il fallait l'abattre sûrement avec ce truc. Ah mais j'aurais pu l'utiliser depuis le début, en fait, ça se trouve. Enfin, c'est même sûr. Mais j'étais pas sûr. Bon. Ok. Il me reste deux sprays, il me semble. J'ai pas utilisé d'objet de soin, si. Si, peut-être une plante. Ouais, il me restait deux sprays. Bon, bah, on est bien. Par contre, j'ai plus du tout de munitions de... Ah, j'ai récupéré pistolet mitrailleur. D'accord. Ouais, j'ai plus du tout de grenade. Ça, c'est embêtant. J'espère que Chérie va bien. J'espère aussi que Chérie va bien. Ok, donc là, on est là. Attends, c'est bien par ici que je dois aller. Bah oui, de toute façon. Hop. Là, on a le coffre. Est-ce qu'éventuellement j'ai un truc à récupérer? Attends. J'ai pas de truc à virer, ça c'est sûr. Ça, il y en a plus besoin. Je vais prendre des cartouches comme ça, tiens. Parce que du coup, si ça peut être utile. J'en ai pas déjà dans mon inventaire? Non, donc on peut pas le combiner. Ok. Eh bah, allez, les gars. On y va. Youhou! Lala! On se barre d'ici. On a récupéré ce qu'il fallait. Ah ouais, du coup, on n'a pas l'accès à l'ascenseur. Ah mais je suis con, faut aller retourner voir Chérie. C'est pas comme la campagne de Léon là par contre. Forcément il y avait Ada en plus qui était en jeu hein, dans la première campagne, donc c'est différent. Ah j'ai du mal à marcher là quand même. Hein. Ok. Elle était là il me semble. Maman a besoin d'aide. Annette? Oh. Chérie. Oh. Comment tu te sens? Ça va. Mais je m'inquiète pour toi. Maman? Hey. Oh. Oh, je dois voir le moniteur. Thank you.
Dieu merci. Chérie va s'en sortir. Elle sera faible encore un moment, mais... Oui. Elle est guérie du virus G. T'as entendu ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a été attaquée par ce monstre. Non ! T'en fais pas pour moi. Emmène ma fille en lieu sûr. Pardonne-moi, chérie. Pour tout ça, ta vie est tout ce qui importe. On peut pas la laisser ici. C'est vrai, on peut pas. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Ça veut dire quoi ? C'est le code d'autodestruction. Il s'active si le virus quitte le labo. Claire, sauve ma fille. Non ! Chérie. Il faut dire au revoir à ta maman. Allez, dis-lui au revoir. S'il te plaît. Écoute. Elle t'aimait, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Tu avais raison. Ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Allez. Et voilà, maintenant on a la puce d'accès niveau 4. Très très bien. Et logiquement, je pense qu'on peut reprendre l'ascenseur. Tu peux marcher plus vite ? Oui. Je veux pas te presser. Mais on doit y aller. Attention. Non, je pense qu'on peut y aller, t'es bien gentil. Est-ce que je suis bien armé là? Je peux rien récupérer d'autre. Il me semble que j'avais rien en réserve. Du coup, bah écoute, on y va. J'ai plus de grenades, et ça risque d'être un petit peu embêtant par contre. Ouais, par contre, faut que je combine le truc. Voilà. On a ce qu'il faut. Allez. Et là, attention. Dernière ligne droite de cette campagne. Il faut que j'appuie sur le bouton? Non, même pas. Il me reste des balles... Non, j'ai que des balles classiques en plus. Ça risque d'être tendu pour la fin du jeu. Hein. On verra, mais sans grenades... Il me semble qu'il me reste encore des munitions électriques. Ça peut effectivement me sauver la vie. Claire ? Oui ? Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pour ton aide. Je suis contente de t'avoir rencontrée. Moi aussi, je suis contente, chérie. Mais tu me remercieras quand on sera sortis d'ici. Pour commencer, ouais. Si on arrive à en sortir. Ok. Alors là, logiquement, il se peut qu'on voie Léon, parce que... Attends, on a trois sprays. Ce qui me semble qu'on avait vu Claire, justement, dans une cinématique, là. Je pense qu'on va le voir. Putain, j'ai rien oublié, là. Salle de surveillance. Il y a un truc que j'ai zappé, alors. Si c'est en rouge. Attends. C'est marrant ça. Non, j'ai un zappé, pourtant c'est en rouge. Très bizarre. Bon, ok. Ah si, là voilà. Putain, je me disais aussi. Un couteau, bah ça je le prends, avec plaisir. Nice. Ouais, c'est la fin là, bientôt. C'est la dernière save, les amis. Alors on va ranger vite fait un petit peu notre inventaire. Il y a un coffre, ça tombe bien. Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux prendre? Bah j'ai rien à prendre. Comme ça au moins c'est clair. Mais oui, c'est clair. Je peux déposer des trucs. Non, ça, je le garde. Ça aussi, parce que peut-être qu'on va récupérer des munes. Ouais, on va rester comme ça. Franchement, j'ai absolument rien à changer. On va save, les amis.
Et on y va. On se précipite vers la fin du jeu. Il me semble qu'après, il y a un compte à rebours et tutti quanti. C'est génial. Allons-y. Hop, hop, hop. Ça va être le feu. Allez, chérie, dépêche-toi. Bon, je sais bien que t'as des plus petites jambes, mais quand même. Hein ? Et voilà, 10 minutes. Avant détonation. Dis-moi, dans les trucs comme ça, est-ce qu'il y aurait des objets à prendre ? Bah ouais, en plus. Ah là là. Ça, je pense pas que je le prends. Ça va me bouffer un slot. Cours, cours, cours. J'espère qu'elle peut pas se faire choper, elle. Ça sert à rien de rester là. Ok, ça par contre, je le veux. Ah, du coup, j'aurais dû prendre l'autre. Waouh, Osef, hein. Y'a pas autre chose ? Non. Allez, on y va. Pas la peine de s'embêter. Ouais, j'aurais pu prendre l'autre plante, du coup, pour la combiner avec celle-là, mais je me souvenais plus qu'il y avait une verte après. Ouais, je peux pas tout savoir, hein. Même si j'aurais pu m'en souvenir, c'est vrai. Mais là, y'a pas la pression, tu vois, comme l'autre campagne, parce qu'y'a pas Mister X. Bah ouais, ça change un peu quand même. Évidemment, cette foutue porte est fermée. Bah évidemment. Chérie, t'as une idée ? Qu'est-ce que tu... Je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. D'accord. Mais évidemment, ça va venir m'embêter, non ? Pendant ce temps. Bah oui, mais bien sûr. Ok, donc attends. Raccourci, on va le mettre à la place de... De celui-là, du coup, vu que j'ai pas de munitions de lui. C'est franchement pas le moment, chérie. Sérieusement, quoi. Allez, j'essaie de le retarder. Est-ce que ça le... déglingue ou pas du tout ? Ah, faut peut-être rester dessus. Power level. Il y a une question de niveau. Tu vois ? Alors, on voit le niveau quand on le renvoie dessus. Ah, d'accord. Je vois. Faut peut-être les pointer. J'ai réussi. C'est pas impossible, ça. Faut peut-être les pointer. J'en sais rien. Absolument que je réussisse à garder des munitions. Pas tout balancer pour la fin. Ah putain. Oh non. Enfoiré. Allez. Voilà. Ouais, c'est efficace en vrai. C'est ce qui est en place pour info, je vous rappelle, le lance-flamme. Hein. Là franchement, s'il n'y a pas un seul ennemi. Et il va se passer quelque chose là. Je crois qu'on y est presque. Non, il se passe rien. Putain, je fais pâter. Attends, bah je vais combiner justement. Hop. Utiliser quoi ? Ah oui ? Un coffre ! Ok. À quoi ça me sert ? Ils mettent des coffres partout, mais j'ai rien en réserve ici, moi. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce machin ? Je sais pas. Attends, je vais voir ce qu'il y a là. Ah, ça change, tu vois, par... Wow ! La minigun ! Mais non ! C'est sérieux ? Ah, j'ai pas de place ! Attends, je vais déposer ça, du coup, que j'ai plus de grenade. On fera sans ça, hein. Ah ouais. Je vais prendre la minigun à la place. Allez. Donne-moi ça. 400 munitions. Et il y aura pas de rab. Allez. Hein ? Attends. Ah, faut des prises ? Faut une prise ? Ah, peut-être qu'on le trouve là-dedans. Ah, par contre, au niveau du time, ça va être léger, là, non ? Ah, attends. Faut qu'on se dépêche un peu. Tu penses que je trouve quelque chose ici ? Ah, putain, oui ! Ah, mais non, mais j'ai pas les slots, du coup, gros ! Qu'est-ce que je peux virer ? Ah, c'est chiant, putain ! Eh, le bracelet, je vais plus en avoir besoin ! Ah, je peux virer un couteau, au pire ! Attends, je vire un couteau. Je sais, c'est pas bien, mais bon. Là, il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que tu fais ? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord ? Ok. Promis, je bouge pas. Bien. Sois prudente. T'inquiète. T'inquiète, pas de soucis avec moi. Allez, dépêche-toi. On va brancher. On va brancher tout ça. Non, parce qu'il faut que je garde tous mes objets de soin, hein. C'est super important. Là, les piles. Bim. Bon. Fais quelque chose. Ok. Ça fonctionne. Claire ! Quoi ? Léon ? Toi aussi, tu es là ? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite !
Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là ? Claire, tu es toujours là ? Léon, désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi ! Fiche le camp d'ici ! Léon ! Léon ! Merde ! Eh ouais, ils ont vraiment voulu faire une histoire croisée, mais le truc... Bah, c'est qu'en fait, on bat les mêmes monstres alors que l'autre l'a déjà battu. Enfin bref, c'est un peu... Ils ont un peu emmêlé les pinceaux sur le scénario, quoi. Ils ont un peu oublié de la cohérence, en fait, entre les deux histoires. C'est bizarre. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ok ! Alors attends, gros. Alors en plus, il me reste deux slots, j'aurais pu... Ah ouais, parce que les piles après... Bah en même temps, c'est obligé qu'il nous reste deux slots à la fin, en fait. Je pense, hein. On va l'équiper directos. Est-ce qu'on peut le mettre en remplacement éventuellement d'une autre arme ? Attends, je vais mettre le raccourci ici. Allez gros ! C'est parti ! T'es prêt ? Allez ! What ? J'avais pas prévu ça. Attends, il est sous une autre forme encore là. Ok ! Il va mourir vieux, hein, moi je te le dis. Hein. J'ai des grenades et tout ? Ouais, attends. Cadeau. Il se protège ou c'est moi? Attends, on va essayer de bouger, hein. Restons statiques. Yes, ça fonctionne. On bouge, il nous reste 5 minutes 40. On va le faire. J'ai l'impression qu'il fait pas bien quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, attends. Il va sauter, non? Je le crains, je crains ce truc là. J'aime pas du tout ça. Ah d'accord, il remonte là-haut. Ouh, doudou. Ah oui, non, surprise. Vite, soin. Putain, le con. M'a fait flipper celui-là. Prends de la hauteur, hein, il est costaud. Et je me taille. Il reste combien de mun? Attends, je vérifie. 238. Pas mal. Montre tes yeux. Ok, on bouge, 5 minutes. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il va remonter, non? Mais reste là, coco! Ouais, c'est ça. Ouais, je préfère pas user les munitions pour rien. Hein. Oh putain! Il tombe dessus! Il reste 171 mun. Vas-y, gros! Attention, il arrive! Quand il fait cette animation, c'est ça, on peut l'esquiver facilement. Tourne-toi. Ah, vache. Ah, ses yeux sont rouges, il est pas bien. Je vous le dis. Pas bien du tout. Prenons notre temps. Il est parti où? Ah, là-bas. Ok, il va remonter, je crois. Bah, il remonte, il nous reste 4 minutes. Il nous reste 65 mun de minigun. Ça se trouve on peut le tuer juste à la minigun, ça se trouve il y a un succès tu vois si on le nique juste à la minigun, ça serait énorme. Ah merde, oh putain, par contre là il m'a surpris. Je t'avoue qu'il m'a surpris, je pensais pas qu'il allait faire ça. Putain bah esprit, on s'est pas volé hein. Ah. Attends, je crois qu'on a déglingué les yeux là. Il en reste encore ? Ouais. Et la terre, attention. J'ai plus de minigun là, c'est ça il me semble. Ouais, j'ai plus de minigun. Ok, je vais mettre le raccourci là-haut. À cette place. Ok. Allez vieux. Allez. Hop là.
le camp d'ici. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Je veux voir ta maison. Ah. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une douche. Ouais. Vraiment? À ce point? Ah oui. Claire! Léon! Je suis si contente! Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. C'est qui? Je te présente, chérie. Salut. Vache! C'était quoi? Je sais pas. Reste avec chérie, je vais jeter un œil. C'est pas encore fini? Rejoins le dernier wagon. Ah ok, je croyais que c'était bon. C'est pas fini du tout, apparemment. Ok, j'ai plus une munition de minigun, est-ce que ça vaut le coup de la garder du coup? Je sais pas. Je vais prendre aussi mon autre arme, on sait jamais. Mais là, du coup, j'ai beaucoup dépensé, hein. Je suis un petit peu à court, non? Ils sont fous, eux. Attends, j'avais de la poudre? Non. Et là non plus, il me semble. Je vérifie, hein. Non. J'ai utilisé toute la poudre. Ah, mais il y a d'autres trucs, attends. Ouais, c'est pas fini, donc. Un couteau. Ah, re de la poudre. Je vais la mélanger. Ça me fait des munitions de pistolet classique en plus. Combine. Ok. Très bien. Ah, attends. Voilà, on a des munitions avec le SLS. Qu'est-ce que ça va être encore l'embrouille? Tu vas pas me dire qu'il est pas mort l'autre? Oh merde, dis-moi pas que t'es pas mort. T'es pas mort. Confirme. Ah ouais. C'est horrible. Attends. Ça commence à être lourd. Ah, comment je fais? C'est quoi cette connerie? Bah écoute, je pense qu'il faut tirer dedans. J'espère que t'aimes les balles, parce que j'en ai encore un paquet. Il attaque ou comment ça se passe? Attends, j'ai pas de grenade au fait. Non, sinon je m'en envoie une dans la bouche. Plus de munitions comme ça. Comment il peut être encore en vie? Incroyable. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire en fait. Allez, recharge bien. Comme dirait Chris. Ah d'accord, il y a l'œil. Très bien. Vas-y gros. Est-ce qu'il me reste des grosses munes? Ah merde, j'ai pas de grosse mule. Vas-y encore gros, putain je m'attendais pas à ça, il s'enfonce de plus en plus vers moi en plus. Aïe aïe aïe. Aïe. C'est une horreur. Je suis crevé? Bah ouais. Tu veux que je fasse? Mais non. J'y crois pas. C'est horrible. Aïe aïe aïe. Ah c'est immonde. Ah bah comme ça au moins vous voyez comment ça se passe si on meurt face à lui. C'est horrible. Ah mais c'est dégueulasse. Ok, donc il arrive par là. Allez. Attention, on retente. Est-ce qu'on attendrait pas qu'il amène son œil? Hein, tu penses qu'on attend qu'il amène son œil? Je sais pas. J'espère que t'aimes les balles parce que j'en ai encore un paquet. Ouais, j'espère que t'aimes les balles hein. Attends, il me semble qu'il arrive avec son œil, non? Vas-y, ramène ton œil, gros. Merde, comment il peut être encore en vie? Ramène ton œil. Il arrive. Allez, gros, ton œil. Ok, vas-y. Power level. Encore. Encore. Vas-y, vieux. On va dans le buffet, bon sang. Vas-y.
toujours pas. Ok, ok, on croise les doigts, là on y est. On est pas loin, je pense. Oui. Alors, est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble ? Non, on est juste... En fait, on s'est rencontrés la nuit dernière. Ouais. Ça aurait été un sacré premier rendez-vous. Ouais, je te le fais pas dire. Regardez ! Il peut peut-être nous prendre en stop. C'est peut-être pas que Raccoon. Emmène, chérie. Viens. Sympa, ce mec. Alors, c'est fini ? Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en chargera. Par tous les moyens. Un peu qu'on s'en chargera. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. On y va ? Hé ! Vous pouvez m'adopter ! Adopter ? On pourrait avoir un chien ? Un chien. Et un perroquet. Un perroquet ? J'ai toujours voulu avoir des animaux, mais ma mère était maniaque. Ouais. Et maintenant, en ce mercredi bien calme, une chanson à réveiller les morts. Ah, et ben voilà, mesdames, messieurs, c'est terminé cette campagne bis avec Claire Redfield et donc notre aventure sur donc l'histoire principale voilà, de ce RE2 remake, entre guillemets, touche à sa fin. On aura très bientôt, les amis, bien sûr, le contenu supplémentaire, car logiquement, on va débloquer des modes en plus, du coup, ce serait bien qu'on voie ça tout de suite. Là, je vais vite passer ça, parce que copyright, à mon avis, au niveau de la musique, elle est excellente, mais bon, voilà, c'est bien gentil tout ça. 30 sauvegardes, rancé, ah bah c'est pas bon, Galaxou, hein. Ah ouais, c'est pas bon du tout, hein. Il faut dire que j'ai pris mon temps, j'ai fait 30 sauvegardes, peut-être que les sauvegardes, du coup, rentrent en jeu, c'est pas impossible. Bon, c'est pas grave, hein. On aurait pu facilement avoir le rambé, je pense qu'on était pas loin. Même si le temps, il est un petit peu long, normalement, on met plus vers 5 heures, un truc comme ça, pour une campagne bis, mais bon, c'est pas grave, je suis sûr que je le refais de mon côté, les amis, je suis 50 fois plus rapide. Mais bon, enfin 50 fois, non quand même pas, mais sinon j'ai le record du monde. Hein. Allez, bon, c'est très très bien, logiquement on débloque des modes supplémentaires. Voilà, comme je vous le disais, mes let's play, je le fais pas pour être performant spécialement. Je suis pas dans cette optique-là. Mais si vraiment je dois le faire en mode performance, effectivement je mettrai beaucoup moins longtemps. Je ferai limite pas de sauvegarde, tu vois, parce que je pense qu'on peut le faire... Peut-être pas one shot, mais limite quoi. Alors un nouveau mode de jeu a été ajouté à la section mode additionnel du menu principal. Voilà, le quatrième survivant. Et donc on fera ça les amis. Merci à tous en tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette belle aventure sur un survival horror. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait. Merci à tous, portez-vous bien. Et je vous dis bah, à très bientôt pour la suite parce qu'on aura effectivement les modes additionnels dès demain. Très logiquement. Merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao.